Salut à tous, c'est pour XM Studio et aujourd'hui je termine enfin les tutos sur l'encodage. En l'occurrence, aujourd'hui on parle vraiment de l'encodage lui-même. J'ai fait une vidéo sur la compression, comment ça marche ici. J'ai fait une vidéo ici sur justement les formats. Donc ça c'est vraiment si les deux toiles de fond si vous voulez savoir en amont. Et aujourd'hui je parle de vraiment que les réglages d'encodage. Je suis sous Adobe Media Encoder, c'est un peu coupé. Je suis sous Adobe Media Encoder et on va importer tout de suite un fichier. Alors, je vais en chercher un sur mon disque de travail. Je pense que je vais prendre celui-ci. Il s'agit en l'occurrence du générique pour mes tutos. Alors, comment ça se passe? Là, vous voyez, je peux choisir ici mes formats de sortie. Encore une fois, je vous renvoie la vidéo sur les formats si vous n'êtes pas sûr. Ça c'est Media Encoder, la plupart des encodeurs fonctionnent de la même façon, il y a une liste d'attente des fichiers à encoder. Ici en l'occurrence on peut régler les formats fichier par fichier de l'encodage, des fois comme par exemple sur l'encodeur gratuit qui s'appelle Super, ça va être tous les réglages en amont, puis ensuite la liste d'encodage, en général il y a toujours une petite barre de progression, et maintenant c'est très courant aussi, avoir des presets, donc des réglages, enfin des pré-réglages. En l'occurrence, je clique ici pour avoir ma vidéo, enfin cette fenêtre qui s'ouvre, réglage d'export. Et encore une fois, il me propose le format, il me propose des presets. Et je vais dire que je m'en fiche puisque je vais directement vous montrer les réglages importants. Alors, passons d'abord sur l'audio. En général, moi je reste sur ce qui est suggéré par le format, ce qui est le plus courant. Surtout que l'AAC, c'est quasiment ce qui est le plus courant en vidéo, même en QuickTime. Vous voyez, l'AAC revient, c'est quelque chose de très très. Et là en audio, ce coup-ci, on a du Dolby ou du MPEG. Bon, voilà. Mais en général, je reste avec ce qui m'est proposé et je recommande le 48 kHz. 44, c'est un petit peu short, 32, c'est à éviter. Plus haut, si c'est proposé, ça change pas forcément grand-chose pour la diffusion. Stéréo forcément, audio qualité forcément haute, hein, forcément ça prendra plus de ressources processeurs, mais de nos jours, franchement, c'est largement acceptable. Et ensuite, il propose le bitrate. Alors le bitrate, c'est techniquement combien d'informations passent par seconde. Plus il y a d'informations qui passent par seconde, plus la qualité pourra être élevée, ce qui est logique. Donc c'est vraiment le réglage clé, 160 c'est peut-être un petit peu bas, si j'exporte une vidéo pour moi où je veux une très bonne qualité, je mettrai en 320, c'est pas de trop. Pour le web, 256 suffirait, puisque de toute façon YouTube, par la suite, compresse encore un petit peu tout ça. Mais voilà, hein, vraiment, ne soyez pas trop effrayés d'allouer une plage généreuse sur vos réglages ici. Ça change pas grand-chose en plus. Vidéo. Alors, vidéo en l'occurrence... Vous avez déjà les réglages de taille hein, de la vidéo, le nombre de pixels, 1920 par 1080, ça c'est assez standard. Et souvent vous pouvez voir votre vidéo d'entrée, vidéo d'entrée, les réglages en entrée et les réglages en sortie de ce que vous indiquez. Donc notamment, on va essayer de rester le plus proche possible de la vidéo de source hein, quand on encode. Et 1920 par 1080, voilà ça je le savais, et 29 images 97. Encore une fois, essayez, à moins que vous ayez des contraintes particulières, mais essayez de rester... rester sur le réglage de la vidéo source pour éviter des problèmes d'entrelacement, de saut d'image ou autre. Ensuite, très important aussi, vous voyez ici, c'est la forme des pixels. En l'occurrence, ici on a des pixels carrés avec le 1080 par 1920, on a toujours les pixels carrés, enfin, quasiment toujours. Mais à l'époque, quand la HD a démarré, c'était encore du 1440 par 1080, il aurait fallu mettre en anamorphique parce qu'à l'époque les pixels étaient rectangulaires. Donc voilà, encore une fois, en général, c'est carré. Si vous avez d'autres contraintes, normalement, vous êtes au courant. NTSC ou PAL, c'est un vieux débat qui n'a plus lieu d'être. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'ils le mettent encore. Et ensuite, en l'occurrence, pour le H264 qui est fortement recommandé, et vous retrouvez les mêmes réglages en QuickTime puisque c'est le même codec qui revient ici. Là, quand vous choisissez ce codec-ci en particulier, mais je vous montre pour le H264 parce que c'est extrêmement courant, et ça, c'est le plus courant, c'est le plus répandu, c'est quasiment ce avec quoi il faut travailler de nos jours, parce qu'il est efficace aussi comme encodeur. Vous avez le profil. Alors le profil, vous avez le profil de base, principal et élevé. Hein, voilà, en français en l'occurrence.
Alors, Baseline, c'est très bien pour des exports comme la Android tablette, éventuellement YouTube ou autre. Encore que, je trouve que ça, encore une fois, ce sera le temps que passera votre processeur à travailler dessus. Et les plages de débit qui s'allouent, du coup, vous pouvez passer sur Main ou High si vous voulez vraiment une très haute qualité. Par exemple, pour la diffusion sur votre, je sais pas, votre lecteur de salon, quand je dis lecteur, dans le sens d'un PC de salon avec un rétroprojecteur, vous voulez une bonne qualité, n'hésitez pas à mettre High. Et si vous regardez, vous avez aussi le niveau en dessous. Alors je vais y revenir, mais je passe d'abord à bitrate pour expliquer ça. Regardez voir, vous avez deux réglages principaux. Vous avez le target bitrate, donc le débit cible, et vous avez l'encodage en fait. Là vous avez bitrate, donc comment dire, débit constant, ou alors vous avez débit variable, une passe ou deux passes. Débit variable s'adaptera plus à votre vidéo qu'un débit constant. Un débit constant, vous le forcez à être tout le temps au même débit. Alors qu'un débit variable, en fonction du contenu de l'image, pourra pousser un peu le débit ou au contraire le baisser. C'est sans doute ce qui est le plus recommandé. Et ensuite, deux passes, donc il encode deux fois la vidéo, j'imagine, pour des soucis de précision, de accuracy. Donc moi je recommande celui-ci, mais par contre il est forcément plus long que le VRB une passe, ou CBR, par extension. Et du coup, voilà, on a dit qu'il peut varier le débit en fonction des besoins de la vidéo. En revanche, il faut quand même lui donner un débit cible, un débit moyen qu'il va essayer d'appliquer en permanence. Et c'est ça, à ça que sert le target bitrate, le débit cible. Vous lui dites, j'aimerais bien que mon débit moyen soit autour de 4 mégabits, mais tu peux monter jusqu'à 5,4. C'est ce que dit ici mes réglages. Je peux très bien monter tout ça et dire, oh, bon, on s'autorise 20, hein, soyons fous, regardez voir. J'ai une vidéo qui fait 5 secondes pour un générique. D'accord, peut-être que j'ai pas envie de garder du avis, mais que je peux m'autoriser d'avoir une vidéo qui fait 50 MB, je m'en fiche, j'aimerais que ma qualité de vidéo soit excellente. Mon fichier à vie fait peut-être 1 giga, si derrière j'ai 50 ou 100 mégas, c'est pas très grave, mais au moins j'aurais déjà gagné en place. Alors on pourrait se dire que 20 n'est peut-être pas assez, parce qu'il y a des détails très fins. Alors, bah voilà, on va pousser à high, et vous voyez que je peux déjà aller à 25, ce qui est un peu mieux. Et si je monte mon niveau à 5,1, alors là, pff, on peut s'autoriser 300. Voilà, du coup, la compression n'est plus si intéressante. Mais voilà, c'est à peu près à ça que servent les profils. Ce sera la vitesse d'encodage. Et en l'occurrence, comme il dit, constrain the bitrate range. En l'occurrence, voilà, ça va être d'une part, il contraint le débit. Et il y a après encore une finesse à l'encodage qui est plus poussée. Donc voilà à peu près pour les réglages en vidéo également. Encore une fois, soyez vigilants sur les pixels, enfin la taille des pixels, format des pixels, sur le nombre d'images par seconde. Et ensuite, évidemment, souvenez-vous que la qualité vidéo dépend de votre débit cible, votre débit vidéo. Voilà. Voilà qui était pour le tuto sur l'encodage directement sur les réglages. Sur des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Alors, comme d'habitude, likez, partagez, souscrivez, et puis bah, à la prochaine. Ciao!